Waouh! Regarde-moi cette cuisine! Viens voir! C'est une super idée! Vas-y! Génial! Et si on donnait un petit coup de gel au grippin? Attention et... Ta-da! Très impressionnant! Oh, regarde, un coussin blanc! Ah là, c'est plus sympa! Qu'est-ce qu'on pourrait repeindre encore? Qu'est-ce que tu dis de ça? Génial! Même les outils de ménage peuvent être colorés! Et les pop-it aussi! Tiens, je pensais! Et voilà! Trop cool! Waouh! À mon tour! Oh, j'ai toujours voulu avoir les cheveux multicolores! Tu crois que ça marche avec des pancakes? Hein? Je crois qu'elle est cassée! Laisse-moi voir! Ta-da! Non, ils n'ont pas changé! Ah, on dirait que les batteries sont à plat. Attends, j'ai une idée. On pourrait utiliser mes crayons de couleur pour peindre les pancakes. Non, certainement pas. Je crois avoir quelque chose de plus comestible. Ajoute un peu de colorant alimentaire dans la pâte. Waouh, regarde comme c'est beau. Et hop, sur la poêle. Et voilà, maintenant il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ta-da! Et le tout sans magie. Tu as entendu ça? Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Waouh! Quelqu'un m'a préparé le petit déjeuner? Je n'ai jamais rien vu d'aussi appétissant. Je devrais traîner au lit plus souvent. La la! Ba-ba-ba! Oh, un soda! Ba-ba-ba! La-la-la-la-la-la-la-la! Oups! Non! Il faut que ça s'arrête! Je ne m'attendais pas à ça! Au moins, il reste quelques gouttes! Allez! Eh bien, c'est embêtant! Au moins, il y a une autre bouteille! Doucement! Vas-y, doucement! S'il te plaît, ne me trempe pas! Attends! J'ai une meilleure idée! Je peux utiliser ce sirop de maïs. Je vais mettre une cuillerée de sirop de maïs dans le soda. Ça devrait le faire. Je vais remettre le couvercle. Assure-toi qu'il est bien serré et secoue-le. Et ensuite, on le met au frigo pour le faire durcir. Je pense que c'est prêt. Ba 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 la la la. Je n'ai pas à m'inquiéter que ça se gicle partout. Waouh! Regarde ça! Et c'est délicieux! C'est bien meilleur que le soda normal. Comment vais-je terminer tout ça? Ok, je crois que j'ai compris. Oh, saleté de stylo! Oh là là, je ne comprends rien à ce que je fais! Au moins, mon café me tient éveillé. Allez, on se concentre. Au fait, je connais la réponse à cette question. J'y arrive! Je crois que la réponse est la B! Recharge de café! Maintenant, on peut parler. Ah. Oh, je commence à voir flou. Oh. Oh, je n'ai pas le temps de dormir. Je dois garder mes yeux ouverts. Oh. Mes devoirs, ils sont trempés! Quel désastre! Je suis un vrai empoté. Rechargeons. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu as renversé du café partout? Mon pauvre, j'aimerais tant pouvoir t'aider. En fait, je crois que je peux le faire. Donne-moi ta tasse. Ce couvercle de Pringles tient parfaitement dessus. Cela devrait éviter un autre accident. Où en étais-je? Non! Hé, le café ne s'est pas renversé! Lily a vraiment assuré là-dessus. En plus, ça garde la chaleur. Si seulement elle pouvait aussi résoudre ce problème. Ce film fait trop peur. Oh, Mathieu, ça ne me plaît pas. Tu plaisantes? C'est génial. Oh, ne rentre pas là. Je ne peux pas voir ça. Arrête de mastiquer si fort. Tu m'as dit quelque chose? Donne-moi ce sachet. Je n'entends pas le film. Oh non, ne fais pas ça.
Merci. Tu es un bon garçon. Mange tout. Tu te moques de moi. Ça suffit. C'est mieux comme ça. Non mais, sérieusement? Impossible de m'échapper! Maintenant, c'est une affaire personnelle. Que vas-tu faire? Croustillant. Je n'en peux plus! Hé! C'est de ta faute! Bah, au moins il me reste ses chips. Elle travaille ici? Salut mes belles! Fini ce bruit insupportable. Au revoir! Ah, c'est enfin terminé! Et c'est un humain qui vous a mis dans cette poubelle? Les rues sont de moins en moins sûres. Très bien, je dois juste m'assurer que ces chiffres soient équilibrés. Ok, ça colle. Et qu'est-ce qu'on a ici? Quelle heure il est? C'est presque la pause déjeuner. N'oublie pas de mettre ça ici. Efface cette cellule. Bon, quelle heure il est maintenant? Toujours pas? Encore un tout petit instant avant la pause. Encore un peu? Presque. Ah, oui, c'est la pause déjeuner. Faisons de la place. Ouais! J'ai attendu ce moment toute la journée! Oh! Burke! J'ai oublié de faire ma vaisselle! C'est pas grave, j'ai une solution! Je dois juste découper le paquet comme ceci avec des ciseaux. Je fais un petit carré sur le dessus, comme ça! Et voilà! Ça devrait le faire! Maintenant, je vais faire chauffer de l'eau dans la bouilloire! Ouais! Il ne me reste qu'à la verser directement dans le sachet! Ha! Je suis un génie! On devrait me payer plus pour travailler ici! Attendez une seconde! C'est beaucoup trop animé dehors aujourd'hui! Je ne veux pas que quelqu'un me voie manger! Et voilà! J'aime avoir un peu d'intimité pour prendre mon repas! On dirait que mes nouilles sont cuites! Je vais juste vérifier! Oh ouais! J'adore ce bon petit goût de poulet! Ça, c'est des bonnes nouilles! C'est fou que Jake ait fait ça! Waouh! C'est trop drôle! C'est l'heure d'un snack? Des bonbons! Ça va être trop bon! Par ici! Ouf! Ok, voyons à quoi j'ai affaire ici! Un appareil dentaire, super! Délicieux! Mais coincé dans mon appareil dentaire! Ce cure-dent devrait faire l'affaire! Non mais! Donne-moi ça! Hein? Ça n'a servi à rien. Je n'en ai plus besoin. Je vais essayer avec un chewing-gum. Ça devrait marcher. Salut, petit malin. Faut qu'on parle. Grrr, pas encore toi. Il n'y a qu'une seule façon d'en finir. C'est parti. Aïe, aïe! Pourquoi es-tu si méchante? On y va. Ça a fonctionné. Waouh! C'est dégoûtant. Pourquoi est-il si en retard? Aïe! Oh, désolé. Hein? D'où ça sort, ça? C'est vraiment étrange. Mais c'est une sucette gratuite. Je ne vais pas me plaindre. C'est joli, ici. Ce serait dommage de tout abîmer. Ah! Aïe! C'était quoi, ça? Est-ce que c'est ma dent? Ah! Je rentre chez moi! Je vais prendre ça. Ça marche à tous les coups. Mouah! Waouh! TikTok a de super bonnes vidéos aujourd'hui. Mais ce brocoli n'est pas très bon. Oh! Je l'ai fait tomber! Comment il est arrivé là? Oh, il est un peu sale. Mais j'ai bien vu une sucette. Je l'ai perdue il y a genre un an. Madison, tu m'as retrouvée. Non, mon régime. Oh, j'y étais presque. Les légumes sont meilleurs pour ma santé. Hé, j'ai un bien meilleur goût. Oh, soyons réalistes, j'adore les bonbons à la fraise. Et elle est encore en parfait état. Tu sais que je te fais envie. Tu pourras commencer ton régime demain! Juste deux ou trois léchouilles!
Ouais, c'est le meilleur des choix. Je mangerai une salade plus tard. Aime-moi comme je t'aime. Attends, je sais résister à la tentation. Mais je croyais que tu m'aimais. Oh, grands mots, les grands remèdes. Tu es tombée dans le piège de sucre. Du sucre! Sans sucre, tu mourras, Madison. J'ai besoin de sucre. Exact. Regarde bien mes yeux. Juste une petite léchouille. D'accord, juste une fois pour goûter. Bienvenue dans mon monde. Un tout petit peu plus près. Je pourrais lécher ce truc pendant des heures et ne plus jamais manger de brocoli. Je suis trop heureuse. Hé, Thomas, regarde ça. C'est génial, non? Oui, oui, c'est super, mais joli, là. Oh, regarde celui-là. C'est encore mieux. Oh. Ok. Ce fil de nylon me donne une idée. Il ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Et voilà, j'ai attaché le gobelet à la clé en utilisant du fil de nylon. Et maintenant, j'ai juste à mettre la clé dans une canette. Il est temps de commencer à verser le coca dans le verre. Oh, salut! Ouais, je suis en train de me servir un coca. Je t'ai dit d'arrêter de m'embêter! Quoi? Attends une seconde. Quoi, Thomas? Comment tu fais ça avec ton gobelet? Ok, je vais te montrer. Je le tiens juste comme ça et je verse doucement. Puis, je retiens ma main. Non! Quoi? Mais pourquoi? Ça ne marche pas du tout! En fait, j'ai mis une clé dans la canette pour tenir le verre. Tu vois? Oh, très drôle! Oh là là, est-ce que tu es drôle et intelligent? Merci, merci. C'est que j'ai quelques tours dans ma manche. Par exemple, regardez ça. Mon pouce va disparaître. Tada! Mais ne vous inquiétez pas, je vais le remettre. Oh, c'est super impressionnant! Waouh, on dirait que ces filles adorent ça. Donc ça signifie que si j'apprends la magie, je serai populaire moi aussi. Ok, donc j'ai une boîte de tic-tac et un surligneur. Je peux certainement faire un tour avec. Je vais toutes les faire tomber avec ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est colorier la boîte transparente. Mais attention à ne pas colorier l'étiquette. Et je n'oublie pas les coins. Mon tour est prêt. Hé, j'ai quelque chose à vous montrer. Regardez mes tic-tac à l'orange. Eh bien... ce sont maintenant des tic-tac à la menthe. Wow, comment il a fait? Ce mec est un tueur. Enfin, je veux dire, on s'en fiche de ton tour. Salut. J'ai trouvé ton tour de magie super. Ça a marché. Salut, j'adore les tic-tac à la menthe. Tu en veux un? J'en ai tout plein. Et... envoyé. Oh, répondre à mes mails me donne vraiment faim. Ce bol est énorme. Et il devrait m'occuper pour un bout de temps. Allez, ouvre-toi. Oh, mon ongle. En plus, je venais juste de les faire. Oh, satanée pistache. Oh, mais je suis dépendante de leur goût divin. Non. Ça ne vaut pas le coup. Je devrais réussir avec les dents. Ou pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, cette dent était dans ma bouche avant. Oh, à présent, je n'ai plus le choix. Oh. Pas si vite, Emma. Oh, c'est vous? Le super ouvreur de pistaches. J'ai senti qu'une personne était en détresse. Donnez-les-moi.
Encore toi, petite pistache. Je vais t'ouvrir en moins de deux. Oh oui! Regardez! Utilise une autre coquille pour ouvrir la première. Compris? Vous ne vous êtes même pas cassé un ongle? Trop simple! Et trop bon! Merci! Faites attention à vous! Ma vie vient de changer pour toujours! Ah! Pas facile ce jeu! Pour toi, peut-être! Ça, c'est une bonne pizza! Oh, laisse-moi goûter! Tu as raison, elle est délicieuse! Il m'en faut une autre part! Hein? Ta main est si chaude! Et graisseuse! Je ne savais pas ce que tu éprouvais pour moi! Oh, Mathieu! C'est ça, ouais! T'imagines? Allez, prends cette part! Non, vas-y! C'est pour toi, j'insiste! Je me refroidis, les copains! Oh, cool! Vraiment? J'ai réussi! J'ai réussi! Les copains? Toujours pas décidé, hein? Je t'en prie, prends-la! Oh, ok! Quoi? J'étais juste polie! C'est à moi! Pas si vite! Mathieu, lâche! Non, c'est ma pizza! Donne-la-moi! Arrêtez! C'est pire qu'avant! Oh non! J'ai honte! Arrêtez! Je la veux! En fait, je n'en suis plus si sûre maintenant! Ah! Je n'en veux pas! Vous ne me vouliez que pour mes garnitures? Oh, on s'est servi de moi! L'heure du goûter est enfin arrivée! Et il est temps de vérifier mon fil Insta! Ce combo n'est-il pas le meilleur? Hé! Hey, je ne sens rien! Hein? Ils sont tous au fond du sac? Je dois en prendre au moins un! Allez! Attrape! Et tout ce que j'ai eu, c'est un tas de miettes! Oh là là! Pas content! C'est Kevin vs les paquets de chips! Et pour l'instant, ça n'a pas l'air prometteur! Absolument, monsieur Chips! Je vais vous faire sortir de là! Ça a marché! Bien sûr! Il s'agit de les pousser du bas vers le haut. Continue jusqu'à ce qu'ils atteignent le haut. N'est-ce pas génial? L'époque où on se salissait les mains est révolue! Boum, bébé! Personne ne touche à mes snacks! Maintenant, revenons à notre affaire. C'est quoi ce bruit de froissement? Je dois aller chercher mes gants de boxe? Répondre au téléphone est risqué. Surtout quand tu as un truc si délicieux sous la main. Eva appelle? Bonjour. Ok, dis-moi ce qui s'est passé. Ce conseil est absolument génial. Mais regarde ce que cela te coûte. Gras! Combien de temps ai-je été au téléphone? Oh, un peu trop longtemps, visiblement. Oh là là, quelle poisse! À moins que... Je crois que je vais te trouver de l'or! Sans la paille! Ce couvercle devient autre chose! Comme un porte-cône de glace! Plus de glace fondue sur les doigts! Mais tu devrais vraiment manger ça! Et voilà! Cette vidéo parle-t-elle à ton... Salut à tous! Voici ma coupe du jour! Et salut Tina! Oh, des cookies! Ils ont l'air délicieux! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne le manges pas? J'ai manqué de me casser une dent en voulant le croquer. Oh, je vois. C'est vrai que ce cookie est tout dur. On doit bien pouvoir faire quelque chose. Hé,
utilisons ce marteau. Oui, je vais donner une bonne leçon à ce biscuit. Il ne se casse pas. Très bien, employons la manière forte. Une scie, très bonne idée. Oui, cette vidéo va être excellente. C'est épuisant de scier. C'est une blague? Il est toujours intact. Ce doit être une sorte de super cookie. Ok, au grand mot les grands remèdes. Oh ouais, la tronçonneuse. Waouh. Waouh, ça vole de partout. Oh, oh, j'en peux plus. C'est pas possible! Il est vraiment invincible! Je crois que ce cookie nous a officiellement vaincus. Tina, attends! Regarde ça! Oh, ils mettent des cookies durs dans un verre de lait! Il est temps pour ce cookie de prendre un bain de lait! Allez hop, dans le verre. Maintenant, ajoutons le lait. C'est la quantité parfaite. Et maintenant, prends une cuillère. Il suffit d'écraser les cookies jusqu'à ce que les miettes se mélangent au lait. Passons maintenant au micro-ondes. On dépose le récipient dedans et on allume le four. Après quelques minutes, il sera cuit à point. Voilà, il est temps de vérifier le produit fini. Regarde, c'est comme un petit cupcake. Je vais juste ajouter un peu de sucre en poudre sur le dessus. Et quelques paillettes. Il est parfait comme ça. À table. Oh, waouh, c'est encore plus délicieux. On se met souvent à rêver en cuisinant. Ah, j'en oubliais mon gâteau. Se laisser déconcentrer peut être catastrophique. Particulièrement quand il faut tout mixer. Oh, c'est vraiment puissant! Je me demande s'il y a quelque chose de neuf sur Instagram. Fais gaffe à ton mixeur, Lizzie! Attention! À vos abris! Je n'aurais pas dû quitter ce bol des yeux! Oh non, en plein dans la figure! Mais un peu de pâte à gâteau sur le visage n'est pas le plus gros problème de Lizzie. Oh là là, quel cata! Salut Lizzie, je suis de retour. Tu arrives à temps pour la surprise. Tu t'es battue avec de la pâte à gâteau ou quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Va prendre une douche, ok? C'était pourtant pas compliqué. Tiens, je les avais oubliées. Elles sont sur le point de nous sauver la mise. Les assiettes en papier aident à éviter les problèmes de mixeur. Fais deux croix avec un cutter en faisant bien pénétrer la lame. Maintenant, prends tes fouets et passe-les dans les trous. Une fois que tu as fait ça, tu n'as plus qu'à les attacher à ton mixeur. Et grâce à cette astuce, fini les éclaboussures! Plutôt cool, hein? Oh mon Dieu, t'as réussi! Ils sont absolument parfaits! C'est vraiment toi la pâtissière de la maison! Mmh. Et ils sont délicieux! Boum! Et j'ai gagné! Oh, j'avais oublié ça ici! Est-ce que ce garçon nous regarde? Venez par là! Je n'arrive juste pas à m'arrêter d'en manger. Pas question. Non! Ça se passera pas comme ça. C'est le dernier! Pourquoi elle s'ouvre pas? J'essaye avec les dents. Garde la bouche ouverte, mon pote! Gah! Allez! Ferme la bouche! Il faut que je passe à la vitesse supérieure. Oh, elle est ouverte! Ouch!
Allez, coquille, ça va marcher? Sérieusement? Oh, je crois que je vais laisser tomber. C'est pas grave. Ah! Enfin chez moi! Une pistache? Non! Pas encore! Elle est à moi toute seule! Miam! Ouais, ça va être génial! Oh, ou pas! Regardez ce jeune homme qui arrive! Il se promène comme si de rien n'était! Une seconde! Qu'est-ce qu'il sort? Oui! Mon œuf dur! Oh, j'adore les œufs durs! Je dois y aller! Oh, mais qui êtes-vous? Oh, salut l'ami! Oh, elle sent une drôle d'odeur! C'est mon œuf que vous regardez? Vous ne l'aurez pas! Zut! Il est temps de sortir le grand jeu! Hein? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fait flipper! J'aime pas comme elle me fixe! Ok, je vais vous le donner! Laissez-moi le peler! Voilà! Vous pouvez avoir le reste! Burk, vous avez mis vos germes dessus! Revenons en arrière! Je me sens mal du coup! Oh, je sais! Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit quelque chose! Voyons quelle est la meilleure façon de couper un œuf! Il doit bien y avoir un moyen de résoudre cette énigme! Hé, je sais! Donnez-moi votre stylo! Mais j'écrivais! J'ai une idée! Il faut juste le démonter! On se débarrasse de tout ceci car on veut juste le petit ressort! Voilà, c'est exactement ce dont j'ai besoin! Maintenant, donnez-moi cet œuf! On peut facilement le couper avec le ressort! C'est parti! Oui, un partage équitable! Je n'arrive pas à croire que je suis aussi intelligente! Oh, et il est très appétissant! Voici votre part, cher monsieur! Bien vu! Je n'y aurais pas pensé! Vous allez finir votre moitié? Voici mon saladier préféré! Ouais, les fouets! Nous avons aussi la farine et le lait! Tu es prêt, David? On va commencer par l'œuf! Casse-le dans ton saladier comme ceci! Maintenant, à ton tour, essaye de faire la même chose! Ouais, je vais casser l'œuf! Prête, maman? Regarde! Boum! Oh! J'ai bien fait, maman! Oui, mon chéri. On va prendre le lait maintenant. Il faut en verser juste un peu sur l'œuf. Allez, à ton tour! D'accord, je prends le lait et je le verse sur l'œuf. Oh, il a tout mis! C'est pas grave. Passons à la farine. Je vais en mettre un peu pour faire de la pâte. Oh, mon Dieu! Je ne voulais pas en mettre autant! Quel désastre! Comment ai-je pu faire une telle erreur? Regarde, maman, on peut utiliser le fouet. Je le rentre dans le paquet de farine. Qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Oh mon Dieu! Comment fais-tu ça? Et je mets la farine dans mon saladier en secouant doucement. Mon fils est un génie! Tu es un vrai petit chef! Ouais, je suis un chef! Yeah! J'adore les Oreos, surtout à la crème. La meilleure façon de les manger, c'est de les ouvrir pour la lécher. Après, j'ai juste à remettre les biscuits à leur place parce que je n'en veux pas. Je vais me faire un Oreo. C'est quoi ce truc? Il n'y a plus de crème là-dedans. Thomas, t'as vu? Haha, dommage pour toi, t'as été trop lente. Oh mon Dieu, c'est dégueu! Bah, au moins, j'ai toujours mes chamallows. Hé, hey, ça me donne une idée. Hé, hey, Thomas, regarde ce que je peux faire avec mon esprit. Il est si puissant que je peux faire grossir la crème d'Oreo. Wouah, comment tu fais ça? Je te l'ai dit, il faut utiliser le pouvoir de ton esprit. Ah bon? Je suppose que je peux le faire alors! Grandis, crème! Grandis pour que je puisse te manger! Ça ne marche pas! Idiot! Tu as oublié d'utiliser tes doigts comme je t'ai montré! Oh, c'est vrai! Les doigts! Allez, petit biscuit! Tu peux le faire! Réagis à mes pouvoirs psychiques! Oh! Mon biscuit s'est cassé!
Ha! T'es vraiment tombé dans le panneau, hein! Regarde ça! C'est un chamallow et pas de la crème! Ah ah! Et tu te crois plus maligne que tout le monde? Non, passe au suivant! Oui! Tu crois que ça marche vraiment? On les met au micro-ondes et qu'est-ce qui se passe? Ça fait un tas de glu! Et qu'est-ce qu'on en fait? Attends une seconde! Non, on doit absolument essayer! Micro-ondes, c'est bon! J'ai les ours en gelée et une assiette pour micro-ondes. Regarde toutes ces couleurs! Quelques minutes devraient suffire. Ouvre-le vite! Ne te brûle pas! Cool! Fais-en rentrer dans la paille. Et souffle! Ça marche! Tu y crois? Et c'est excellent! Attends, on va essayer avec plus. Waouh, cette bulle est énorme! J'ai une idée. Je vais essayer avec mes nounours. Ce sont mes préférés. J'espère qu'ils me porteront chance. Ça va être chaud là-dedans. J'ai hâte de voir le résultat. C'est bon! Comment ça va là-dedans? C'est quoi ce truc? Je ne m'attendais pas à ça. Peut-être qu'il manque encore une minute? Ça devrait suffire. Hein? Je n'ai pas mis de banane là-dedans. Ok, encore une minute. Si naïve, si naïve. Passons à la surprise suivante. Luna! J'y crois pas! Salut! Le poulet est prêt. À table! Phew! Voilà un festin qui met l'eau à la bouche. Oh! Les tomates? J'ai oublié de les mettre dans la salade. Bon, autant s'y mettre tout de suite. À nous deux, les tomates. Thomas est rentré. Oh, oh, trop bien! Tu as acheté ça! Arrête-toi là, bonhomme. Pas de chips tant que ces tomates ne sont pas coupées. Je serai dans le salon. Oh, c'est trop nul! Il y en a combien là-dedans? Ça va me prendre 1000 ans. Mais bon, ce n'est pas très compliqué de couper des tomates, n'est-ce pas? Il suffit de couper au milieu. Je continue. Phew! Sérieusement? C'est tout ce que j'ai fait? Il en reste combien? Oh, ça ne va jamais finir. Oh, hé, ce couvercle pourrait m'aider. Il est bien plat. Je vais essayer. 7 tomates et un couvercle. Et un seul coup de couteau. Tant que tu tiens bien le couvercle, toutes les tomates peuvent être coupées en 2 en même temps. Tu vois? La découpe parfaite. Ça, ça fait gagner du temps. Tout ça grâce à un simple couvercle. Et hop, dans le saladier. Ce truc ne me fait plus peur maintenant. En fait, c'est même plutôt marrant. J'ai fini. Maman, j'ai fini. Qu'est-ce que tu dis, chérie? Oh, cette série est trop drôle. Oh, je me suis fait avoir. Et là? Waouh, quelle vue! C'est une magnifique journée pour faire une randonnée. C'est vrai, ce n'est pas si mal. Et si on faisait une pause? Betty, où est ton sac? Oh oh, je reviens tout de suite. Oh, elle fait ça à chaque fois. Je l'ai. Ok, j'imagine que ça fera l'affaire. Bon, sortons ce qu'il faut. Hé, Betty, tu comptes me donner un coup de main? Désolée, j'admirais la vue. Il faudrait commencer à préparer le repas. J'ai pris le charbon. Et moi, j'ai pris mes lunettes de soleil. Cette pastèque devrait nous redonner un peu d'énergie. Oh, qu'est-ce que j'ai l'air mignonne! La luminosité est parfaite. Betty, tu as pris la nourriture? Oui! J'espère que tu aimes les saucisses. Et le reste?
Comment ça, le reste? C'est tout? Qu'est-ce que tu veux dire? Le barbecue! Eh bien, à ce propos, je n'ai pas assez de place! Tu peux le mettre dans ton sac? Bien sûr, compte sur moi! Je pense qu'on peut y aller! Ça ne rentre pas! En plus, il me faut un peu de place pour mon maquillage! Attends-moi! Oups! Oh, j'aurais dû m'en douter que ça arriverait! Attends, j'ai une idée! Je vais prendre les saucisses et les glisser sur un pic en bois. On n'a plus qu'à attendre qu'elles cuisent au soleil. Ça ne devrait pas être trop long. Je ne crois pas que ça fonctionne. Attends voir. Je crois que je sais comment arranger ça. Je vais couper la pastèque en deux, puis j'enlève la chair. Qu'est-ce que c'est bon! Maintenant, j'ai une pastèque vide. Je vais mettre une feuille d'aluminium au fond et ajouter un peu de charbon. Je vais faire quelques trous dans la pastèque avec un bâtonnet. Plus que quelques-uns! Il faut que ça ressemble à un barbecue! Ensuite, je dépose les saucisses dessus et j'attends qu'elles cuisent. Ça sent tellement bon! Et voilà! Waouh! Ça a l'air délicieux! Ça valait le coup d'attendre. Oh, je sais ce qu'on peut cuisiner. Quoi donc? Tu vas voir. Tada! Qu'est-ce que tu en dis? On n'est pas sorti de l'auberge. Allô? Oui, je voulais prendre un rendez-vous. À 15h? C'est parfait. Attention, maman! Sérieux! Tu aurais pu me crever l'œil. Elle a laissé ses œufs. J'adore sentir la chaleur du soleil. Ça détend tellement. Bibidi, bobidi, pou. Oups. Oh, pas grave. Oh, tu aimes tes bonbons? Oups. Tu es trop mignonne. Mais c'est quoi cette odeur? Je transpire comme un bœuf, là. Oh là là. Maman! Il faut que je fasse quelque chose. Je vais juste le retourner, ça va? Il est complètement accroché à la poêle! Wow! Qu'est-ce qui se passe? Eh, hey, c'est plutôt drôle! Wouhou! Tu penses que je peux faire un salto cette fois? Ouf! Ça fait vraiment mal! Bon sang, mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Je pense que je suis bien cuit là, non? Maman va tellement me tuer! Mais c'est assez drôle! J'ai une faim de loup, c'est incroyable! Un petit cookie me fera forcément du bien! J'en ai déjà l'eau à la bouche! Viens par là! Hein? J'ai failli mourir de peur avec ce truc! Mon cookie! Il va toucher le sol! Non! À l'aide! Je tombe! Je vais avoir un bleu! Mais regarde-moi toute cette poussière! Wouhou! Je n'ai qu'une envie, me rouler dedans! Tu penses que je peux quand même le manger? Oh! Comment il a pu prendre la saleté si vite? Beurre! Je ne veux pas que ça s'approche de ma bouche! Ah! C'est le plus beau jour de ma vie! C'est dégoûtant! C'est toujours comestible, non? Ce n'est pas une bonne idée de manger de la poussière. Bon, pas grave. Vraiment, elle peut manger n'importe quoi. Ça me dégoûte. Que serait le cinéma sans le pop-corn? Ah, et voilà mon préféré. Oups, il faut d'abord le faire éclater. N'y en a-t-il pas du tout prêt à la place? Ah, voilà. Mais attends, il faut aussi préparer cela. Qu'est-ce que je vais faire? Encore une boîte? Mais qui est-ce qui l'a mise tout là-haut? Non! Il pleut des Skittles! Oh là là! Il va y en avoir partout! Et moi qui ne voulais rien salir! Non, pas dans la poêle!
Est-ce que l'averse est passée? J'avais vraiment pas prévu ça. Ah! Il y en a partout! Quelle pagaille j'ai causée! Je crois que je vais pas pouvoir regarder mon film. Nettoyer la cuisine un vendredi soir? Vraiment pas de chance. Et tout ça ne m'a pas coupé l'appétit. Tiens, j'ai une super idée! Et si je mettais un peu de couleur dans ce pop-corn? Je vais le préparer dans la poêle comme d'habitude. Mais je vais laisser tous ces Skittles. Ça marche! Et ça sent déjà super bon! Regardez-moi tout ce pop-corn arc-en-ciel! Je vais en essayer un rouge d'abord. Est-ce qu'il va avoir un goût de Skittles? Une seule façon de le découvrir! Et quoi de plus agréable que de le faire devant un film? Wow, ce film fait vraiment flipper! Oh, je ne peux pas croire qu'il ait fait une erreur aussi stupide! Oh, on dirait que je n'ai plus de chips! Toi non plus, hein? Pourquoi n'irais-tu pas nous en chercher? Moi? Et pourquoi pas toi? Il n'y a pas moyen, je reste ici! Tirons plutôt à pile ou face, c'est plus juste! D'accord, tu choisis et je lance! Elle va tourner encore longtemps? Sur quel côté va-t-elle tomber? Non, mais sérieux? C'est une blague ou quoi? J'imagine qu'on doit y aller tous les deux. Hé, hey, il y a un grand sachet et un tout petit. Je prends le grand. Je l'ai. Tiens, t'as qu'à prendre le petit. Allez, tu peux partager. Dommage que tu sois trop petite et trop lente pour l'attraper. Je retourne au salon. Il est vraiment pas sympa. Vous savez quoi? Il a besoin d'une leçon. Encore. Alors, je vais étaler cette tortilla sur du papier sulfurisé et ajouter de l'huile d'olive. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Juste assez pour l'étaler à la surface. Il faut bien l'étaler uniformément. Et maintenant, assaisonnons. Du sel et du poivre feront l'affaire. Parfait. Passons à la prochaine étape. Au four! Regardez ça! Ça commence à lever! Mmh, ça sent super bon! Et c'est tout chaud! Regardez-moi ce chef-d'œuvre! Il va être trop jaloux! Alors, raconte-moi ce que j'ai raté! Wow! Où as-tu trouvé ce sachet de chips géant? Sérieux, à côté, le mien fait tout petit. C'est pas juste. Moi aussi, je veux des chips géantes. Wouh! Salut les filles, je vais juste prendre un verre. C'est une super chanson. Ça suffit. Oh, du soda, la danse est une activité qui donne soif. Merci. On se voit sur la piste de danse. Ok, c'était un peu mal élevé. Je vais juste me servir un autre verre. Parfait. J'ai hâte de la voir. Je vais prendre ça. Merci, j'ai vraiment besoin de ça. Sérieux? Je veux juste un soda. Je peux en avoir un? Moi aussi. Tu te moques de moi? Attends, je sais comment régler ça. D'abord, j'ai besoin de cette jarre. Je vais la remplir de soda. Je n'ai pas encore fini. Je vais détacher cet attache-câble. Puis je vais l'enrouler autour de l'anse de la gourde. Je dois presser la jarre pour que l'attache-câble passe dessus. L'attache-câble reste sur le bec. Maintenant, je peux remplir 3 verres à la fois. Cela permet de gagner beaucoup de temps. Les amis, venez chercher votre soda. Sympa. Merci, Emma. Faisons la fête. Ah, je vais me servir un bol de céréales. Ah, tomate, t'es sur mon passage. Hé, regarde mes biceps. Ils sont durs comme de la pierre. Ouais, je deviens super musclé. Regarde ça. Ah, qu'est-ce qu'il m'arrive? Thomas, arrête. Repose-moi par terre.
T'es en train de me rendre folle! Je veux juste manger mes céréales tranquillement. Hé, rends-moi cette cuillère! Yes! Je savais que je pouvais la plier! Oh, mais j'utilisais cette cuillère! C'est vraiment le pire! Est-ce que je devrais... Oui, sans hésitation. J'ai cette boîte vide. Maintenant, j'ai besoin d'un ballon. Je vais le glisser à l'intérieur en le fixant à ce fil. Et là, je vais coller l'extrémité du fil au couvercle de la boîte. Parfait. Il est bien attaché. Maintenant, je remets les cornflakes à l'intérieur. Voilà. Et je referme le couvercle. Thomas, j'ai besoin de toi dans la cuisine. Il arrive. C'est le moment de sortir le jeu d'actrice. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive pas à ouvrir ce couvercle. Tu peux m'aider? T'es tellement fort. D'accord, donne-moi ça. Oh! Il y a des cornflakes partout. Ça a marché. T'es vraiment tombé dans le panneau. Oh. Tina, regarde ça. Regarde ce qu'elle fait. On met du sirop de maïs dans du soda. Il ne se voit même pas. Ensuite, on met le tout au frigo. On attend... C'est prêt! Ce n'est plus du soda. On doit essayer. J'ai le sirop de maïs. C'est exactement le même. Que la partie commence. Je verse. N'aie pas peur. Ça se mélange bien, hein? Ajoutons du colorant alimentaire vert. Le mélange se colore. Super! Attends, je vais ajouter quelques paillettes. Voilà. Pas trop, hein? Parfait! Il ne reste qu'une chose à faire. On mélange! Santé! Laissons le tout reposer. À tout à l'heure! On n'a plus qu'à attendre. Prête? Ça semble pas mal. Passons le test ultime. Prêt, feu, pressé! Ça marche! On dirait un bonbon au Sprite. Regarde le mien. Les paillettes étaient une super idée. Allez, on échange. Prête pour une autre astuce? C'est quand tu veux. Cette pizza est appétissante. Mais elle la coupe mal. Waouh, elle est plus petite. Mais on dirait une pizza normale. Intéressant. Tu veux essayer? Je crois qu'il y en a une ici. Il y a écrit de ne pas toucher. Désolé, Kevin. Voyons s'il le remarquera. J'ai le couteau. Coupe bien au milieu. N'oublie pas le deuxième passage. Il faut couper bien droit. Ça me semble bien. Retire le morceau. Et maintenant, colle les deux parties ensemble. Et voilà! Ça sent bon, mais on a encore du travail. Une autre petite part ne se verra pas, hein? On y va. On ne dira rien. Ouais, j'en veux encore! Parfait! Tada! C'est une super idée, non? T'as entendu? C'est... Kevin! On n'a presque rien laissé! Il ne verra rien, hein? Ça ressemble à une mini-pizza! Vite, il arrive! Où est ma pizza? Vous ne l'avez pas mangée, j'espère! Non? Hein? Elle est drôlement petite. C'est bizarre. Je vais la manger dans ma chambre. On a eu chaud. Tina, regarde ça. Le grille-pain est couché. Elle fait des tartines de fromage grillées. Et ça ne coule pas. C'est une super idée. On essaie? J'ai toujours de la place pour des toasts au fromage. On y va. Et si on faisait comme ça?
on sort deux tranches de pain et on met du fromage par-dessus. Tu vois, c'est exactement pareil. Des toasts, ce sont des toasts. Ça devrait aller vite. C'est brillant. À mon tour. Cette méthode est beaucoup moins compliquée et je n'aurai pas à nettoyer la plaque après. Prenez place! Ça chauffe vite! Le fromage fait déjà des bulles! Waouh, vous avez vu ça? Le fromage a parfaitement fondu! Ça sent le brûlé! Tina, tu ne sens rien? Mes toasts! J'ai oublié le four! Oh non! Waouh, ça n'a pas bien marché, on dirait! Le four était trop fort! Vous avez besoin d'aide? Je vais éteindre cet incendie! J'arrose! Ça devrait suffire! Tout est réglé, mesdemoiselles! Était-ce vraiment nécessaire? Eh, il m'en reste une! C'est vrai que j'ai faim! Oh, j'ai tellement faim! Mais qu'est-ce que je peux manger? Une salade. C'est une idée géniale. C'est bon, sain et savoureux. J'espère que j'ai les ingrédients nécessaires. Je vais regarder. Hé! C'est agréable de passer du temps ensemble. Choisis-moi, choisis-moi. Je suis jolie et croustillant. Allez, tu sais que c'est ce que tu veux. Comment choisir? Regarde-moi, je suis adorable. Ok? Oui! Wouhou! Vous avez vu ça? Maman! Je vais aussi prendre cela. Je me souviens quand je n'étais qu'une graine. Oh, bonjour ma chère. Je me suis perdue. Dégoûtant, je ne mange pas ça. Sa place est à la poubelle. Je vole! Oh! Pourquoi me faire ça? Tu vas voir! Incroyable! C'est tellement drôle! Oh! Ça a un goût horrible! Il faut du sucre! Waouh! Je ne m'attendais pas à ça! C'est hilarant! Où est mon verre? Hein? C'est juste du sucre! Mon dentiste va être furieux! Combien de sucre j'ai mis dedans? C'est tellement ennuyant. Bien que je pense que je sais comment arranger ça. Ce pot de beurre de cacahuète vide va servir. Je vais verser le sucre dedans. Ensuite, je vais remettre le couvercle. Après, j'ai besoin de ce tournevis pour faire un trou dans le couvercle. Je vais le bouger pour agrandir le trou. Il doit pouvoir contenir une paille. C'est mieux. La quantité parfaite à chaque fois. La la la, il me faut juste un peu de lait. Hein? Oh non, c'est tout ce qu'il reste? Ça ne me fait même pas un verre. Ah, c'est pas grave, c'est mieux que rien. Allez, je vais me faire une série en mangeant des cookies. Miam miam miam! Quoi? Mon cookie ne rentre pas dans le verre? Il doit bien y avoir un moyen de le faire rentrer. Oh, je n'ai plus qu'à mettre le lait directement sur le cookie. Génial! Oh non! Super! Oh, le voilà! Aïe! Oh, ça fait mal! J'y crois pas! Je ne vais jamais pouvoir manger ce cookie! J'ai un paquet de cookies, des compartiments vides, un verre de lait... Je crois que j'ai une idée! En fait, je vais juste verser le lait dans les compartiments vides. J'espère que ça ne va pas couler à côté! Ça tient! Je suis trop forte! Maintenant, je peux tremper mon cookie facilement! Je vais enfin pouvoir me régaler! Hein? Mais c'est quoi ce goût? C'est le lait? Quelle est la date d'expiration? Ok, et aujourd'hui nous sommes? Non! C'était tellement marrant! Et puis, il a fait ce bruit bizarre! C'était comme une sorte de grognement! Hé! Hey! Tu m'écoutes? Il faut croire que non! Oh, du coca! Je vais secouer l'une des canettes. Ça devrait le faire. Ça va être génial.
voilà qui lui apprendra. Et je t'ai apporté une canette. Je ferais mieux de préparer ma caméra. Je vais juste tapoter un peu cette canette. Merci pour le coca. Oh, ça n'a pas giclé. Je suis déçue. Pourquoi ça n'a pas marché? Je vais essayer avec la mienne. Alors, je la secoue et maintenant je tapote dessus. Faites que ça n'explose pas! Hé! Ça marche! Ce truc est super efficace! Tu pensais sérieusement m'avoir avec le coup de la canette secouée? Allez, santé! Oh, c'est un sacré couteau! Je ne peux pas regarder! J'espère que tu as faim, Sophia! J'aurais vraiment besoin d'une distraction! Non! Il y a encore du sang partout! Ce morceau a l'air trop bon! Regarde toute cette sauce! Comment est-on censé manger ça? C'est comme ça que... Quoi? Burke, on est quoi? Des animaux? Pas question! Oh, ma pince à cheveux! Ça pourrait carrément marcher! Viens dans mes griffes, petite aile! Miam! Si bon! Ah! Quoi? Est-ce que mes vêtements immondes et ma bouche saustastique te font peur? Waouh! C'est le monstre poulet! Quelle poule mouillée! Oh! Qu'est-ce que j'ai manqué? Un ventre qui grogne peut se faire entendre. À des moments inattendus. Comme lors d'une conversation profonde. Et juste comme ça. La nourriture est tout ce à quoi tu peux penser. Lily? Il y a quelqu'un? Je dois mettre de la nourriture dans cet estomac! Ah, je me sens mieux. Mais comment faire pour tremper et marcher? Allez! C'est sans espoir. Tu veux donner un coup de main? Voilà. Tu veux bien tremper pour moi? De rien. Des trucs que je fais, des fois. Dans cette promenade, tout tourne soudainement autour de Lily. Oui, voici un peu plus de sauce, princesse. Merci. Oups! Je viens d'avoir la meilleure idée. Tiens ça. Maintenant, verse un peu sur ce rabat. Que le trempage à une main commence. Ah, là on parle. Tu en veux une? Oh, la beauté du fast-food et de l'amitié. Oh, c'est un choix super dur. Bon, je vais prendre celui-ci. J'ai hâte de le goûter. Il est vraiment bon. C'est juste une barre chocolatée. Bonjour, asseyez-vous. Bonjour. Est-ce que c'est du chocolat? Vous connaissez les règles. Oh, c'est vrai? Je pensais que c'était une plaisanterie. Il est interdit de manger en classe. Oh, le message me paraît assez clair à moi. Rangez-moi ça. Ok. Ce qu'il reste sur le bureau également. Oh non, quel gâchis! Bon, tant pis. C'est bon? Juste pour être sûr, veuillez vider votre sac. Oh, ce n'est pas juste! Bon, c'est bon pour cette fois. Il y a quelque chose d'étrange. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. C'est bien ce que je pensais. Hein? Comment est-ce que vous avez fait ça? Hop! Poubelle! Dommage. Je ne vois vraiment pas ce qui te fait rire. Regarde, j'ai la technique. C'est trop bon. Qu'est-ce que tu fais? C'est du sucre, regarde. Retire la gomme de ton crayon. Et mets l'extrémité du crayon dans une paille. Coupe le reste de la paille en la laissant légèrement dépasser du crayon.
Ensuite, il va te falloir une bougie. Fais fondre un bonbon au-dessus de la bougie dans une cuillère métallique. Une fois que le bonbon est complètement fondu, verse le liquide dans une paille. Essaye de ne pas en mettre à côté. Attends que le liquide refroidisse. Puis retire la paille. Waouh! Je peux en avoir un? Merci! C'est super bon! Est-ce qu'elles mâchent leur gomme? Je ne savais pas que c'était comestible. Blerk! Décidément, je ne comprendrai jamais ces élèves. Quand il s'agit de manger, chacun a sa propre façon de faire les choses. D'abord les frites. Puis le hamburger. Ça va être trop bon! Et la première bouchée est la meilleure partie. À moins, bien sûr, que cela arrive. Mais ça aurait pu être totalement évité. Regarde ça. La prochaine fois que tu prendras la première bouchée, examine d'abord ton environnement. Tout le contenu du hamburger est intact. Examine l'intérieur du sac. Et il semble que nous ayons un gagnant. Heureusement que tu n'as pas jeté ce truc. Parce que c'est sur le point de sauver la situation. Il suffit de placer ton hamburger à l'intérieur. Et tout restera en place quand tu le manges. C'est tellement bon! Eva, explique ton génie au monde entier! Ouais, c'est un génie! Ça va entrer dans les livres d'histoire! C'est cool de rêver grand, non?